Bonjour tout le monde, Nakama. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, la plus belle ouverture de ma chaîne, la première premium de la chaîne. Je vous présente l'Ultra Premium 151. Grand sœur, 25 ans, grand frère, Tracofeu. Voici la dernière de la famille, la troisième, la petite Miu 151, le petit Nakama. Ouverture en avant-première avec beaucoup de chance. Je vais vous raconter l'anecdote, l'histoire liée à cette ultra premium. En tout cas, j'espère qu'on aura beaucoup de chance sur cette ouverture. Nakama, je le demande pas souvent. S'il vous plaît, abonnez-vous pour cette avant-première de Fou Furieux. Le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement, pour qu'on montre le contenu à tous les viewers Pokémon, etc., pour que vous voyez un petit peu cette ouverture, qu'on partage ça ensemble. J'espère que vous aussi, vous aurez votre petite premium. Je l'espère du fond du cœur. Maintenant, on va en profiter ensemble pour les petits curieux. On va voir ce qu'il y a dedans. On espère qu'il y a de la chance, des belles choses. En tout cas, je suis très content de vous partager cette ouverture. C'est ma plus grosse ouverture de la chaîne. À 16 boosters. Je vais arrêter de parler. On va regarder. Pff, elle est incroyable. Regardez-moi cette pépite. Franchement, j'ai pas les mots. Donc voilà les trois promos. La petite Mew, Mewtwo, Mew X, de fabuleux trésors vous attendent. Regardez-moi tout ça. C'est incroyable. Il y a un tapis de jeu, un jeton, les promos. Bref, tout ce qui nous fait plaisir pour une belle ouverture. Je déballe le coffret. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, mon petit Nakama. Comment se présente l'ouverture du coffret. Donc ça va être compliqué avec une main. Je vais faire au mieux. Attendez un instant. Parce que j'ai pas le meilleur trépied possible. Donc voilà, on a enlevé la protection qu'on met de côté. Donc voilà comment se présente l'item. C'est juste incroyable. Les 151 premiers Pokémon. Oh là là, mes petits Nakam. Oh. Déjà, il y a déjà un problème ici. Ah, elle est tombée. Oh là là. La carte était en dehors. Elle est en fer. Et là, on a le petit Mew X en anglais. Elle était sortie de sa petite place. J'avais déjà commencé à paniquer. Tout simplement incroyable. On va la mettre de côté. Donc ça se présente comme ça. Regardez, on a un petit tiroir pour les cartes, c'est tout je pense. Ensuite ici on a le contenu et on a les sleeves aussi. On a aussi des sleeves, ça c'est pas mal. Et je pense que c'est pas les mêmes. Ah non, c'est qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est des sleeves ou est-ce que c'est un rangement? Donc, ça se présente comme ça. Le petit jeton, hop là, les petits marqueurs, les petits dés, les marqueurs, ça c'est pour ceux qui jouent, nous, ce qui nous intéresse, voilà. J'aime bien le contenu, c'est les boosters, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, comme ça il n'y a pas d'histoire, parce que c'est quand même le plus important, je trouve. Et là on a le petit tapis, donc je ne vais pas le déballer, on l'a vu dans l'image, il est ici. Donc voilà le tapis, comment il se présente. J'ai déjà un tapis donc à un moment. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien pour l'instant. C'est tout simplement voilà, tout ce qu'il y a dedans. Et le coffret, voilà, c'est un bon petit carton. Ça c'est bien collé. Regardez-moi le fond, franchement, c'est de la qualité. Ça fait plaisir. Donc on va sortir les petites promos. Le coffret de côté, magnifique petit coffret. Regardez-moi l'arrière, c'est incroyable. Donc voilà, tapis Zack Nakamov, comme vous pouvez le voir. Donc voilà la petite promo qui est juste incroyable. Je vais déjà mettre. Oui, j'ai pas. On n'a pas regardé, je vais regarder. Petit coffret en tout cas, bien scellé. Comme ça, vous voyez un petit peu en avant-première. Petit Nakama, pour vous, mes amis les Français, ce sera le 6 octobre qu'il sortira. Et nous, il était ici en Belgique, à ma plus grande stupéfaction. Le coffret Elector aussi. Et regardez, petit deck de combat. Oh. Il y a un intercalaire, c'est tout. Ok, peut-être pour mettre les promos, quoi. Bah, je sais pas. Bon, je l'aurais ouvert, ça, moi, ça me fait plaisir. Voilà, un petit Nakama, j'ai sorti les cartes. La petite Mewtwo qui est tout simplement incroyable. Et franchement, le cadrage est hyper propre, juste pour vous montrer, pour vous faire plaisir. Beau cadrage, pas de points blancs. Ça fait plaisir dans une premium. On la met sous sleeve, bien évidemment. Parce que ça va rejoindre le petit Master Set et on va faire attention à ce qu'on fait. C'est parti. Hop là, la petite Mew, franchement, elle est juste incroyable. C'est cool qu'ils l'ont mise en promo.
Et on va check. Magnifique. Magnifique. Franchement, c'est juste incroyable. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et hop là. Donc voilà, on a sorti les trois promos. On espère qu'elles vont nous porter chance. On met ça de côté. Bien évidemment, maintenant, on va attaquer l'ouverture. Mais avant d'attaquer l'ouverture, le code de l'Ultra Premium. C'est moi qui régale. Faites-vous plaisir, Manakama. J'espère du lourd pour ceux qui vont l'avoir. Donc voilà, Manakama, on va commencer l'ouverture des 16 boosters. J'espère qu'on aura énormément de chance. Et donc voilà, je vous disais, mes amis les Français, vous, en France, le 6 octobre, vous l'aurez. Et donc voilà, jour de sortie officielle. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui suivent bien mes vidéos, voilà, booster. J'avais rendez-vous médical et le jour de la sortie, j'étais censé partir chez King Jouet pour voir la sortie, etc. Et bref, j'ai eu un rendez-vous médical entre temps à 10h. Donc, c'était compliqué. J'aurais pu y aller, mais je ne savais pas. Et bref, voilà. Donc, je savais que ma femme, je pouvais compter sur elle. Elle allait aller. Pour moi, prendre du 151, donc j'ai pas stressé, j'ai dit ok, let's go, vas-y, moi je vais aller au rendez-vous médical, etc. Tu me ramèneras du 151 plus tard, tout se passe, etc. Et le lendemain, le samedi, je dis, vous savez quoi, j'ai ouvert du 151, je vais aller au King Jouet, on sait jamais, avec un peu de chance, il y a du 151, quelque chose à se faire plaisir. J'y vais, waouh, je vois quoi, du coffret Elector. J'y dis, tiens, c'est bizarre, il y a du coffret Elector, etc. Et j'en prends deux. On me dit non, il faut en prendre que un. C'est un par personne. Je dis d'accord, pas de problème. Après, j'ai envoyé quelqu'un d'autre. Enfin, ma femme était avec moi. Bref, voilà, on connaissait un petit peu les techniques, voilà, malheureusement. Et je dis oui, écoutez, est-ce que vous avez reçu les ETB? Il me dit non. Je dis ah, dommage, je comprends pas, c'est bizarre. Il me dit par contre, on a eu les premiums. Je dis hein, quoi? Il me dit oui, on a eu les premiums, c'est parti hier. Je dis oh, le maconnier, magnifique. Je dis, pardon, vous avez eu les premiums? Il me dit, oui, on a eu les premiums, c'est parti hier, très vite, etc. Et je dis, mais ça sort que le 6 octobre, etc. J'étais déjà étonné de voir les coffrets Elector qui sortent fin septembre ou fin octobre. Et il me dit, oui, c'est parti hier. Et vous savez, c'est quoi le pire pour ceux qui ont vu les stories Instagram? King Jouet, du mercredi au samedi, faisait 2 plus 1 gratuit sur Pokémon. Tenez-vous prêt. Et donc, pour la sortie 151... les magasins n'étaient pas prêts. Il y avait du 151, donc 2 plus 1 gratuit. Donc les premiers clients qui ont eu droit à l'Ultra Premium ont eu 2 premiums plus 1 gratuite. 2 premiums plus 1 gratuite. Et les vendeurs, ils ont dit non, c'est 151 ne fait pas partie. Oh, leur petit codin. Le 151 ne fait pas partie du lot, etc. Mais c'était pas écrit en fait. Donc les clients, ils ont fait de leur nez, etc. Ça fait déjà 3 boosters et toujours rien. Attention, hein, je veux bien qu'il y ait les promos, etc. Et puis, ils ont dit, ah ouais, ok, ben, finalement, la direction a cédé. Donc, il y a des personnes qui sont reparties avec 2 ultra premium plus 1 gratuite. J'espère que ce n'était pas des scalpeurs. J'espère que c'était des gens qui ont acheté et qui pouvaient mettre bien les autres. Parce que 2 plus 1 gratuite, oh, ça en fait des sous. Hein, et donc, voilà. Et puis, ben, j'étais dépité. Hein, le gars l'a vu. Ça m'aurait fait une belle avant-première. Et puis, j'aurais été tranquille, quoi. Il me dit, bah, de toute façon, écoutez, on a été livré en premier. Et si vous voulez, ben, logiquement, celui du centre-ville, un petit Fenar X, premier hit. Enfin, il était temps, j'ai envie de dire. Il me dit, celui du centre-ville n'ont pas encore reçu. Donc, allez-y et allez voir. Et donc, qu'est-ce que je fais? C'était donc hier, lundi. Parce qu'aujourd'hui, il sera mardi. Sophie, elle sort mercredi. On verra le temps de montage. Donc, je prends mes affaires. Je fonce le lundi matin après avoir déposé les enfants à l'école, etc. J'ai juste gardé le dernier parce qu'il n'a pas la crèche le lundi. Donc j'arrive à 9h pétance et le King Jouet ouvrait à 9h30. Donc le King Jouet ouvre, etc. Il est 9h30. Je vais chez le gérant. Je vais, bonjour, voilà, j'ai raté la sortie, etc. Est-ce que vous allez recevoir? Il me dit oui, on va recevoir ça cette semaine ou la semaine prochaine, mais on ne sait pas. J'ai écouté, j'ai mis, franchement, j'ai collé. Hein, là. Après, bon, voilà, vous connaissez, hein. Moi, je discute beaucoup et je pense que c'est ça qui ramène pas mal de chance. Parce que j'ai déjà vu des gens, ils viennent, ils disent pas bonjour et... Oh, le raichu. Ils disent même pas bonjour. Ouais, vous avez... Et c'est bon, ils se cassent. Et ça se passe, c'est quand même un manque de respect. Et bref, on discute et je lui dis, écoutez, ben, est-ce que vous pouvez me passer un petit coup de fil ou un petit email, etc. Il me dit, non, normalement, on ne fait pas comme ça. Si je dois faire ça pour tout le monde,
comprenez bien que. Mais il me dit, bon, comme il y a personne qui me le demande, voilà. Ben voilà, je vous fais ce plaisir, je vous appelle. Je dis, ok, d'accord, j'attends votre appel pour cette semaine. Il me dit, d'accord. Bon, je rentre. Il est 10h et quelques. Je déjeune, etc. J'avais tourné la vidéo des coffrets Elector. Et je fais le montage, etc. Et je vois un appel, un numéro que je ne connais pas. Et j'avais déjà oublié, j'avais déjà oublié pour l'appel. Je dis, bonjour. Oui, c'est le King Jouet au centre Bruxelles. Vous pouvez venir. Donc, il y a les Ultra Premium. Et moi, je me suis habillé, j'ai couru, j'ai mis une story. Et il y a deux Nakama qui ont réussi à avoir l'Ultra Premium là-bas grâce à moi. Ben, bravo à vous. Et ben voilà, j'ai eu comme ça mon Ultra Premium. Donc voilà, coup de chance, gentillesse, etc. Voilà, encore le monde qui m'en ont pas encore y croire, encore des gens gentils. Et ils limitaient à un seul par personne. Donc ça, il y a de l'espoir. Et donc voilà comment j'ai obtenu mon Ultra Premium. Donc là en Belgique, je ne sais pas comment ça se fait qu'on reçoit déjà les premiums et les coffrets Elector. Je suis désolé pour vous les Français. Mais pour vous, ça devrait arriver le 6 septembre en espérant que... Oh là, ça tue. Encore une énergie feu reverse. En espérant que vous ayez votre petite premium. Et j'espère que les magasins limiteront les quantités pour vous faire plaisir. Moi d'ailleurs, j'en cherche une deuxième pour le sceller. J'en ouvre une, il en faut une scellée quand même, c'est important. Et donc voilà, voilà comment j'ai eu la premium. Voilà, j'espère que vous allez la voir. En tout cas, le 6, je sais que ce sera un Hunger Game là, je sais pas quoi, ça va être la guerre. Mais j'espère que vous l'aurez. En tout cas, franchement, que vous allez pouvoir faire votre petit Master 7 si vous voulez le faire. On parle, mais il n'y a rien. J'ai eu un hit là sur 7 boosters, ça va pas du tout. Hein. J'espère que j'aurai quelque chose. Et donc voilà. Voilà, comme ça vous savez tout. J'espère que pour vous, les sorties sont bonnes. J'ai eu beaucoup de messages qu'apparemment en France, il reste que des portfolios, comme chez nous en Belgique d'ailleurs. Je pense qu'il faut quand même mettre la main dessus, hein. Ça fait quand même des boosters et puis ça peut être une belle monnaie d'échange, hein, contre des doubles ou quoi, etc. Faut essayer de réfléchir malin, Starry, et franchement, non, ça va pas. C'est quoi cette ouverture Pyroli, je l'avais pas. Bon, il y avait plein de cartes que j'avais pas, mais... Moi, je vais vous en mettre plein les yeux, à part les promos et la fin. C'est pas waouh, quoi. Et donc, ouais, voilà, ceux qui ont ouvert la premium, là, de ce que je sais, c'est mitigé. Il y en a qui ont eu 2-3 ex, et il y en a qui ont eu des alternatives. Donc, j'espère avoir au moins un petit quelque chose aujourd'hui. Hein, un petit quelque chose, parce qu'on va pas repartir bredouille. Bon, après, le coffret, voilà, on a les promos, c'est complètement fou. C'est déjà énorme. Mais voilà, un petit hit, là, ça nous ferait plaisir, je peux vous le cacher, Aeromit. Charisme de Giovanni et Todrio, c'est pas, j'ai que des cartes que je n'ai pas en holographique, mais moi ce qui m'intéresse c'est les ultra rares. Aïe aïe aïe, petite clim encore comme le coffret Elector, ça va pas ça, moi je veux vous en mettre plein les yeux là, c'est aujourd'hui, c'est le jour où il faut lancer la patate. Mais en tout cas, ouais, voilà, fortement chanceux pour une fois, la Belgique, merci, ils ont sorti les items en avance. Après voilà, 151 est déjà sorti. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, j'allais pas rater une occasion comme ça, un item comme ça. C'était sûr que j'allais courir après. Léviator et rien d'autre. Il nous reste 5 boosters. Oh là là. La louise. Je pense que je vais envoyer un message compagnie. Si rien, je vais envoyer un message à Pokémon Compagnie. Je vais leur dire. Votre coffre à 150 balles, y'a rien là. Ça va pas, ça. Attention. Hippotrempe. Nidoran. Abra. Hypnomade, Tartare, Roucarnage, Lamantine, Amplifort et un Sulfurage. Je comprends pas, c'est la folie, c'est quoi ça? Il y a que dalle là, maintenant, ça va pas du tout. Hein. Aïe, 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 ça va pas. Mais, allez, paf, on continue. Ici, le petit con. Chut. Hop là, Mélofée, Machoc, Porygon, Electek, Arcanin, Krabos, petit Ronflex, Aquaquac et un Carabob Reverse. Oh là là, mais il n'y a que dalle. Electrode. Oh, c'est une catastrophe. Il reste 3 boosters et on n'a rien, petit Nakama. Et on n'a rien de rien. C'est compliqué, ça va pas du tout. Oh là 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 là. Allez, petit code. Magikarp, Misterbe, Ferrosinge, Timiaos, Tainon, Foissiroi, Papillusion,
Smogo, Parras, oh là là, pas d'AR, Dardanian, oh là là, oh là là, oh là là. Oh là 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 là. Aïe, aïe, la clim du futur. Aïe, 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 aïe. Après être très content d'avoir plein de boosters, plein de hits, et là, ça commence à tomber. C'est la folie. Pas grand-chose. Trio Picker, Spectrum, Kikli, Starry, et pas une AR et un Alakazam X. Oh là là, c'est une catastrophe. Deuxième hit. Oh là là, c'est pas bien, l'autodrop. Bon, je pense que la vidéo dure déjà 20 minutes. Je pense que ça va être compliqué de pouvoir, il reste malgré les boosters, de pouvoir faire sortir cette vidéo aujourd'hui. Donc le mardi, je pense que ce sera là. Le mercredi, on verra. On verra, j'espère avoir la chance de pouvoir faire ça bien. Parce qu'ici, j'ai pas la fibre, moi. Donc la connexion est très, 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 très lente. Ratata, Carapuce, Exelang, Ronflex, Sablero, Nidorino, Aeromite, petite AR de Machopper, enfin, et un Elector Full Art. Ouf, franchement, ouf, voilà, ça a sauvé l'ouverture. Oh là là, là je me dis, ouf, dernier booster. Et c'est toujours les derniers boosters, moi, que je chope des trucs. Hein. Franchement, pas ouf, hein, l'ouverture. Oh là là, franchement, un peu déçu, hein, mais, attendez, hein, je place tout ça. Normalement, le lecteur, il est mangé à quelle sauce? Franchement, ça va pas mal, hein, plutôt. Cool. Ouf, double hit. Heureusement, hein. Oh là là. Mais la caméra, heureusement, hein, parce que là, hein, ça sentait la tristesse. Ça sentait la tristesse. Donc voilà le petit récap. Hop là. Le petit Alakazam X. Le Fenar X. Le petit Machopper. Donc une carte. Le petit Mewtwo. Est-ce que je l'ai mis? Le petit Mew X. Ah, le petit Elector. Et la petite Mew X Gold. Voilà, Nakama. Petite clim, heureusement. C'est une petite clim. On sur 16 boosters, 4 hits. C'est vrai que ça fait un hit tous les 4 boosters. Mais bon, voilà, le dernier booster, il aurait été hyper généreux. Donc voilà, Nakama. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je compte sur vous pour partager. N'hésitez pas à vous abonner là, pour les informations, les concours, etc. Le petit commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette ouverture? Quelles sont vos ouvertures? Et j'espère que vous allez en avoir une. Et le petit like pour donner de la force à votre Nakama. Merci pour tout. En tout cas, tout ça aussi, c'est grâce à vous. Ça vous force, la petite motivation qui fait extrêmement plaisir. Merci à ceux qui me soutiennent, ceux qui me suivent. J'espère que vous allez avoir votre petit coffret. Et j'espère que si vous l'avez, que vous l'ouvrez, que vous allez avoir encore beaucoup mieux que moi. Ça va, c'est pas mal, c'est mitigé, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, avec Nakama, j'espère que ça vous aura plu. Merci, prenez soin de vous. Ciao!